Le maire David Quirós l'avait annoncé avec un grand sourire et un grand soulagement. Désormais exempts de tout recours, les Alnerpic vont poursuivre leur métamorphose. Jadis fabricants d'équipements hydrauliques et mécaniques, les travaux du futur pôle de vie ont ainsi pu reprendre. Pour rappel, le projet qui accueillera des commerces, des restaurants mais aussi des animations sur une surface de près de 50 000 m² s'inscrit dans un vaste plan de réaménagement du nord de la ville, incluant le pôle santé, le pôle tertiaire et plus globalement la requalification de l'avenue Gabriel-Péri, créant ainsi une passerelle entre la ville et le domaine universitaire. Si les concepteurs de ce projet ont souhaité respecter l'histoire en conservant certains aspects architecturaux de cette usine emblématique, comme les toits en chêne, les Alnerpic se devront aussi d'être exemplaires en matière de développement durable, d'efficacité énergétique et de mobilité douce.